Je m'appelle Céline Wickpaer, je viens de terminer mon doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. On est à l'imprimerie Centre d'artistes, c'est un centre de production collectif qui permet d'avoir accès à des ressources en art imprimé. Et à l'étage, il y a aussi tout un volet numérique. Moi, dans mon travail, j'allie les deux, le travail numérique et le travail analogique. Souvent, je commence mon travail avec un questionnement qui peut être presque sociologique sur la question de la place des femmes dans le milieu des arts ou un projet que je développe sur la représentation de la maladie pour en faire quelque chose de beaucoup plus sensible et poétique. Un de mes matériaux de prédilection, c'est le livre et la façon dont le livre va interagir dans un contexte d'art visuel. On associe le livre à la littérature, on va le voir dans une librairie. Moi, ce que j'aime, c'est de penser à comment le livre existe dans une salle d'exposition, par exemple. J'ai décidé d'appliquer à la Bourse en art contemporain Claudine et Steven Brumfman parce que c'est une occasion incroyable de pouvoir me consacrer à mon travail, notamment pouvoir me prendre un atelier, pouvoir déployer mes pièces dans l'espace, je travaillais peut-être avec une troisième dimension. C'est une bourse qui, j'espère, va me permettre de prendre du recul et travailler sur des projets de longue haleine. Et je travaille en français, donc avec cette bourse, j'espère aussi déployer mon travail à l'international, peut-être dans d'autres pays de la francophonie.